Comment voyager gratuitement ou presque? Et s'il était possible de voyager sans avoir à payer son logement? La promesse semble presque trop belle pour être vraie. Pourtant, quelques astuces permettent aujourd'hui de réduire considérablement le budget alloué à vos locations de vacances. Vous êtes à la recherche de votre prochaine destination de voyage, mais le prix des logements vous fait grincer des dents? Nous vous proposons 5 façons de plier bagages sans avoir à casser votre tirelire. La home sitting. Né aux États-Unis, la home sitting, ou gardiennage de maison, en bon français, fait progressivement ses racines à travers l'Europe. Le principe n'est pas si différent du babysitting. Home sitter doit s'occuper d'un logement et de ses petits habitants lorsque ses propriétaires ont décidé de plier bagages. Chats, chiens, chevaux, reptiles, perroquets et poules. Ces plateformes sont des propriétaires d'animaux qui souhaitent partir en vacances sans laisser leurs plus ou moins petits ou compagnons seuls. Cette solution en vogue permet aux uns de profiter de leur voyage sereinement et aux autres de découvrir un nouveau lieu au contact des animaux. Néanmoins, attention, confier sa maison et ses compagnons nécessite une certaine confiance. C'est pourquoi les plateformes en ligne comme Homesitting, Golden Day, Normador trient sur le volet leurs bénévoles et leur demandent de fournir un dossier étayé. Le woofing. En quelques années, il est devenu un mode de tourisme alternatif. Le woofing propose une entraide entre particuliers et globe-trotteurs, férus d'écologie. En échange de leur force de travail, les voyageurs sont nourris et logés gratuitement à l'étranger comme en France. Chaque jour, ils doivent réaliser des petites tâches au sein d'une exploitation agricole biologique et peuvent, lors de votre temps libre, vaquer aux occupations de leur choix. En immersion chez l'habitant pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il est possible de découvrir une nouvelle région du monde, une nouvelle culture ou tout simplement les savoir-faire de cette ferme biologique. Home exchange. Pourquoi payer une location saisonnière lorsque vous pouvez simplement troquer votre logement contre un autre? Économique, facile et authentique. L'échange de maison fait de plus en plus d'amateurs dans l'Hexagone. Home exchange, Homelink, Troc Maison, Intervac France. Une multitude de plateformes ont vu le jour ces dernières années pour favoriser la mise en relation des échangeurs. Si certaines sont payantes, entre 100 et 200 euros l'abonnement à l'année, d'autres sont gratuites. Le couchsurfing. Vous squattez le canapé de n'importe qui à n'importe où, traduit par passer d'un canapé à l'autre. Porte bien son nom. L'idée est simple, profitez gratuitement le temps d'une nuit ou plus, d'un canapé gracieusement mis à votre disposition par un inconnu. Inventé par un étudiant fauché, la plateforme rassemble une communauté de 11 millions de voyageurs répartis dans plus de 150 000 villes dans le monde. Alors que jusqu'en 2020, l'adhésion à cette plateforme était gratuite. Après des difficultés financières, la plateforme a adopté des frais d'inscription, environ 13 euros par an ou 2 euros par mois. La Warm Showers. T'es un des randonneurs à vélo? La plateforme Warm Showers est pour vous. Elle permet aux cyclistes de trouver refuge le temps d'une douche, comme son nom l'indique, ou d'une nuit. À l'heure actuelle, le site revendique 183 000 membres et 126 000 hôtes, répartis dans 160 pays. Une communauté de passionnés qui permet de faire de belles rencontres entre deux efforts sportifs. Pendant 15 ans, le service a été complètement gratuit. Néanmoins, depuis 2020, le site demande une adhésion unique de 27 euros. Et voilà! Vous avez maintenant 5 astuces pour voyager presque gratuitement. Si ces conseils vous ont inspiré, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus d'astuces de voyage. Et vous, quelles sont vos techniques pour voyager sans vous ruiner? Dites-le nous dans les commentaires. À très bientôt pour d'autres aventures.